Jane, je t'en supplie. Vraiment, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Je t'en prie, ne fais pas ça. Pas après tout ce qu'on a traversé. Tout ce qu'on a traversé? Oh tout ce que j'ai traversé. De quoi est-ce que tu parles? Quoi? Jane, s'il te plaît, voyons, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ça a devenu l'objet de moquerie dans toute la communauté. S'il te plaît. Oh, qu'en est-il de moi? J'ai été l'objet de moquerie toutes ces années. Oui. Ok, ok. Mais il y a une chose que tu ne dois pas faire. C'est de perdre espoir. Donc, s'il te plaît. Espoir Oh, voyons, Desmond. L'espoir est le produit de l'incertitude. Et ce n'est pas ce que je compte faire pour le restant de ma vie. Oh oui. Qu'est-ce que tu fais Bonne journée, Desmond. Oh, reviens oh, oh. Thank you. Allô Je vais bien, merci monsieur. D'accord monsieur. Hé, hey, Ada, bonjour. Oui, je suis en chemin pour le bureau. Euh, Chief a demandé à me voir. Eh bien, c'est pour ça que je t'appelle, parce que c'est vraiment inhabituel, je ne comprends pas. J'ignore exactement de quoi il s'agit. Ok. D'accord, pas de problème, de toute façon, j'allais demander. Le dossier bleu, j'ai besoin que tu le traites pour moi. Oui. Alors, dis-moi comment se passent tes tes vacances. Ah, 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 ah. Tu sais que les problèmes ne finissent pas. D'accord, d'accord. OK, OK, OK. Je t'appelle plus tard. Hey. Bonjour monsieur. Bonjour. Tu devrais le savoir plus que quiconque que je suis à cheval sur le temps. Je m'excuse monsieur, j'ai eu un imprévu quand je venais. Merci beaucoup. Ah. J'ai décidé de me retirer du monde professionnel pour de bon. Je ne suis plus tout jeune et ma santé ne cesse de me le rappeler. J'ai donc décidé de de dédier ma vie à plein à plein temps à la philanthropie et à la consultation d'entreprises. Et durant cette période, je passerai beaucoup de mon temps au Royaume-Uni. Et c'est là où tu interviens. Que voulez-vous dire, monsieur <sighs> Desmond, tu as été avec nous durant toutes ces années. Bien avant même que tu n'ailles à l'université. Tu as été un membre de la famille et un fils pour moi. Ces années ont été très, très, très épineuses pour moi. J'ai perdu tout ce que j'avais. Et cette entreprise est tout ce qu'il me reste. Quelquefois, j'ai l'impression que la vie essaie de me punir pour les choses terribles que j'ai faites quand j'étais jeune et délinquant. Le succès vient avec un grand prix et... J'étais prêt à le payer. Bon, regarde-moi maintenant. Tout ce pour quoi j'ai travaillé dur, je l'ai perdu. Ma famille a été assassinée le même jour. Deux des plus grands entrepôts que nous avions, l'un d'eux a été consumé par le feu. Ma famille m'accuse de toutes sortes de choses et c'est la raison pour laquelle j'ai coupé les points avec eux. J'ai aussi perdu tes amis et tu sais tout. Desmond, tu es tout ce qui me reste. Tu n'es peut-être pas de mon sang, mais tu as été à mes côtés toutes ces années. Et euh, à cause de ça, j'ai décidé de donner ton nom au conseil. Oui, j'ai donné ton nom comme le nouveau directeur général de cette audience mondiale. Merci, merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci monsieur. Mais cela a un prix. Que voulez-vous dire monsieur mmh. Avant que le conseil n'approuve ta nomination, tu dois avant tout te marier. Ça a toujours été la règle de base de l'entreprise. Et euh, le prochain conseil siégera. Au prochain trimestre qui n'est que. dans. dans deux mois. Alors je dois être marié. dans cette période ou avant. Tu je, 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 je n'es plus marié depuis plus de six ans, alors je pense qu'il est temps d'aller de l'avant. Monsieur, vous ne pensez pas que c'est trop tôt Je comprends que c'est. que c'est très soudain. Oui, je. je. je, je, je crois que j'aurais dû prendre cette décision plus tôt. Mais. Je ne peux pas briser les règles de base que nous avons avec nos partenaires. Monsieur, je comprends, c'est juste que. Desmond, ne me dis pas que tu, 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 tu n'as pas de prétendante qui voudrait sûrement t'épouser. Écoute, choisis-en une qui a un bon caractère. Épouse-la et puis voilà, c'est tout. Pas de problème, monsieur. Je vais, je vais, je vais le faire, monsieur. Très, Très bien. Euh, je vais te laisser partir pour que tu puisses te rendre au bureau. Vas-y. J'ai moi-même énormément de rendez-vous à assister aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour le temps accordé. Desmond, monsieur. Je veux que tu vois ceci comme une restitution à ton égard. Je ne comprends pas, monsieur. Peu importe, euh, ne prête pas attention. Tu peux retourner à ton bureau. Merci beaucoup, monsieur. À plus tard. Bien. Hum. Monsieur. Monsieur, le chauffeur est prêt. Ok. Dis-lui que ça arrive. D'accord, monsieur. Mmh. Seule. Oui, oh, oh mon dieu! dieu. Oui! Oh. <laughs> Et allez, go! Merci! Comment tu vas? Merci! Oh, allons-y, si, allons-y! <laughs> allez, mettons ça ici. <laughs> Là, tu es déjà payé. Non, non, je vais l'en payer. Ok, juste, euh, excusez-moi, monsieur. Bien. Merci. D'accord, on s'en va. Comment tu vas? Je vais bien. Oh, c'est nuit c'est si te voir. bon de te voir. Vas-y, entre dans la voiture. Tu n'as pas de souci de ça, je m'en charge. Tu peux entrer, c'est ouvert. Ok. C'est ouvert? Allez, viens à l'avant. Ok. À l'avant, ok, oui, à okay. l'avant. D'accord. Oui, oui. Bienvenue. Va-t-il s'en sortir? Oui, va sortir? Il va s'en sortir. Il n'y a pas à s'inquiéter. Les examens montrent qu'il va bien. Rien de grave, juste des blessures superficielles. Mais nous allons encore le garder pour des examens plus approfondis. Au moins jusqu'à ce qu'il y ait des résultats et que nous soyons certains qu'il n'y a pas de blessures internes. Combien de temps cela va-t-il prendre? Juste aujourd'hui. D'ici quelques heures, il sera apte à sortir. Ouh. Merci. Merci beaucoup. Je euh, ne peux pas attendre, je suis déjà en retard. En retard pour le boulot, mais s'il a besoin de quoi que ce soit, okay. donnez-le-lui. Je vais gérer. S'il vous plaît. Alors, comment va le docteur Il va bien, il est dans son bureau. On se voit plus tard. D'accord, monsieur. Au revoir. Wow, je t'assure, c'est bon de te voir. Merci. Bienvenue dans mon appartement. Bon arrivée. Vous vivez dans les grandes maisons à Legoso. Ce petit endroit. Quel petit endroit. Ah. Comparé à là où je vivais. Cette maison est vraiment grande. Maintenant que tu es là, tout ira pour le mieux. C'est tout ce que j'espère. Oui, je te l'ai dit. Les choses iront mieux. Maintenant, tu vas prendre un bon bain pendant que je prépare à manger. <laughs> Qu'en dis-tu, hein? Oui, Ada, okay. t'es incroyable. <laughs> oh, merci. Ta merci, non, maman. Ok, merci. merci. Oh, Ada, ton ange, une personne adorable. Merci. Oh, oh c'est bon de te voir. J'ai décidé de. Donnez ton nom au conseil. Oui, j'ai donné ton nom comme le nouveau directeur général de cette audience mondiale. Mais il y a un prix. Salut, Joan. Oui. Oh, que si, c'est Desmond. Ravi de parler avec toi. Oh, oh ok, t'es hors du pays. Ah, je, je vois. Tu passes pas mal de temps en déplacement. Non, 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 non rien, rien de sérieux. Je me disais juste que. Euh, je me disais. Qu'on aurait peut-être pu sortir ce week-end. Mais je constate que t'es très loin. Merci. <coughs> Salut, sommes <Chisholm>. Hey! <laughs> Ça fait longtemps comment? Non, voyons. Je ne suis pas celui qui t'a abandonné. C'est plutôt toi, voyons. <laughs> The... Ah. Ok. Félicitations. Mm. Vraiment, je suis content pour toi. Ah, OK, OK. Je je prenais juste de tes nouvelles. Ah. Mm. Salut, Tonya. Comment tu vas? Excuse-moi? Qui est impuissant? C'est ton père qui est impuissant. Ta génération même est impuissante. Quelle rabat joie celle-là! <laughs> Je deviens déjà sérieux. Ça ne lui ressemble pas. Attends, as-tu demandé à l'un de ses amis Non. Je gardais encore espoir. Je ne veux pas répandre des rumeurs infondées partout. Et qu'est-ce qu'on fait à présent Je ne sais pas. Pas. Je ne sais pas. Hey. Je suggère qu'on attend encore cette nuit. S'il ne rentre pas, on verra quoi faire. Tu hey. mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, s'il te plaît, amène mon fils sauve, bon. te plaît. Il reviendra. Il sera bien hey. au retour. Ok, ne perdons pas juste espoir. Je vais finir de oh. cuisiner. Merci. Ça va aller. Je reviens. Merci. <laughs> Euh, bonsoir. Bon, bonsoir. Bon. S'il vous plaît, j'aimerais voir Ada. Euh, je, je suis un collègue de travail. Oh, d'accord. Entrez. Merci. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais lui dire que vous l'attendez. Désolée, votre nom. Euh, je m'appelle Desmond. Desmond, d'accord. <laughs> Elle sera là dans un instant. Euh... Que souhaiterez-vous prendre, de l'eau ou du jus euh... De l'alcool <laughs> <laughs> De l'eau, ça ira. De l'eau. Merci. Je vous en prie. Merci, je vous en prie. OK, je vous en prie. Salut Desmond. Comment tu vas Salut Ada. <laughs> Ah. <coughs> Vous faites vraiment partie de mes soucis. Vous ne pouvez pas me laisser profiter de mes vacances en paix, hein Tu ne vas quand même pas nous en vouloir d'être efficace. Tu ne peux pas. C'est ça. Merci. Euh, Dis-moi. Chief, mm -hmm. pourquoi voulait-il te voir hier Oh euh, Il voulait que je lui rende un service. Ce n'était rien d'officiel. Oh Je veux. Dieu merci. <laughs> Um, ok. Y a-t-il autre chose J'espère qu'il est complet. Oui, je crois que c'est bon. Je vais me reposer. <laughs> ah mm, bien, tu as fait des corrections. Mm. Oga, bienvenue, monsieur. Ah, Francis, comment vas-tu Oga, bien, merci. Très bien. Euh, voici Jason. Il va désormais vivre avec nous. Jason Oui. Comment vas-tu Je vais bien. Salut, Francis. Entre, entre. D'accord. Entre. Assieds-toi, assieds-toi, tu peux t'asseoir confortablement. Merci, monsieur. Euh, je vais monter et préparer ta chambre. Ok, monsieur, merci. Assieds-toi. Euh... 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 Ton histoire est assez émouvante. Ça m'a rappelé comment on a grandi. Je parle de moi, bien sûr. Comment tes parents sont-ils morts euh, Monsieur, euh, ma grand-mère m'a dit qu'ils sont morts. Euh, lorsque j'étais encore tout petit. Comment euh, Ils ont été assassinés. Oui, oui monsieur. Oh. Et... Où était-elle Oh, qui, monsieur Ta grand-mère. Elle est morte il y a trois ans. <laughs> Bien, je n'avais personne, ce qui comptait. J'ai donc décidé de... Euh, de venir à Lagos me débrouiller. Désolé pour tout ça. Je sais à quel point c'est difficile pour toi. Et vraiment dangereux, à la limite, tu sais. Euh, vivre... Errer dans la ville de Lagos? Euh, en fait, monsieur, je bosse avec mes amis, oui. Je, je, je bosse avec mes amis, nous nous sommes nombreux, en fait. Donc, on dort en groupe au marché central. En groupe pour éviter une quelconque attaque. Et jusqu'ici, ça va. T'as un parcours scolaire? <laughs> euh, aucun, monsieur, aucun. Et tu t'exprimes aussi bien? En fait, monsieur, euh, euh, quand j'étais plus jeune, ma grand-mère n'avait pas d'argent pour payer mes études secondaires. J'ai dû apprendre de moi-même. Écoute, euh, Jason, c'est vraiment impressionnant de t'exprimer de cette façon sans éducation. Bravo. Bon, euh, ça suffit avec des questions. Je sais que c'est ton, ton premier jour. Alors je dirais à Francis de te montrer les environs et de t'apprendre comment ça marche ici et... On verra bien demain. D'accord D'accord monsieur. Super. Merci. Que Dieu vous bénisse monsieur. Que te bénisse aussi. Merci. Je t'en prie. Sérieusement. D'où viens-tu à cette heure de la journée habillée comme ça Ce n'est pas à toi que je m'adresse, Gene. Hein Desmond, <laughs> j'ai eu le meilleur moment de ma vie aujourd'hui. Oui, quelque chose que je n'ai pas eu. Depuis une éternité, s'il te plaît, je ne veux pas que tu ruines cette joie. S'il te plaît, ne le fais pas, ok S'il te plaît. <laughs> Est-ce est que tu t'entends même parler d'elle As-tu oublié que t'es mariée Est-ce que t'as es oublié que t'es mariée, bon sang <laughs> Ça, tu appelles ça un mariage hein? Est-ce que tu sais ce que c'est d'être un homme Le sais-tu Tu devrais plutôt te réjouir que j'obtienne du plaisir. Que je mérite. Tu es là à parler de quelque chose dont tu n'as aucune justification. Espèce d'impuissant. Je peux... Oh Oh, Desmond, tu... Tu veux me frapper Desmond, tu veux me frapper Vas-y, frappe-moi Frappe-moi, Desmond. Frappe-moi. Pourquoi tu t'arrêtes Frappe-moi. Allez, vas-y. Regarde-toi. Tes amis sont occupés à frapper leurs femmes, au bon endroit. Et toi, Ce à quoi tu penses C'est de frapper une femme avec tes sales pattes de merde. Essaye. Idiot. thank you Monsieur, euh, pouvez-vous me signer ceci Ce sont les dépenses que nous avons faites hier. Ah, d'accord, alors je signe ici. Oui, monsieur. Ok. Uh, cet autre document est. Celui que le Tifarinze a envoyé. Ah, c'est un autre document. Oui. Celui du Tifarinze Oui, monsieur, oui. <laughs> d'accord, c'est bon, merci beaucoup. D'accord, monsieur, merci. Merci. Salut Desmond. Ah. Oh. Ada, je ne t'ai pas entendu. C'est évident que non, tu vas bien? Oui. Bien, merci. On ne dirait pas non. Elle est triste et déprimée, que se passe-t-il? Vraiment, non, rien, rien ne se passe, je vais bien. Ok, jusque. J'ai rencontré quelqu'un. Qui me plaît vraiment. Toi? Mmh. T'aimes quelqu'un? Mmh. Wow. C'est tellement intéressant et inhabituel en même temps. Qui est-ce? Attends en quoi c'est inhabituel et intéressant? Tu sais, Desmond, la première fois que je suis arrivée ici, il y avait des rumeurs qui circulaient sur ta sexualité. <laughs> Tu sais c'était c'était un grand sujet, ils m'ont presque fait croire à ça jusqu'à ce que nous devenions des amis proches <laughs> tu sais euh, aussi choquant que ça puisse paraître, je ne peux réellement rien faire pour changer la perception des gens alors tu' as raison, mais c'était évident. Que toutes ces filles avaient des vues sur toi et toi, tu ne les calculais même pas, tu vois. Et, euh, et j'ai aussi entendu que ta dernière secrétaire, tu l'avais virée parce qu'elle te faisait des avances. En plus de ça, ton dernier mariage date quoi De six ans Ok. Ok. Comme je l'ai dit. Je ne peux rien faire pour changer la perception des gens. Tout ce que les gens racontent, c'est juste des bêtises, des histoires montées de toutes pièces. Qui est-elle? Qui est cette femme qui a capturé ton cœur? Ada, je vais te le dire. Mais promets-moi que tu ne vas pas le prendre mal. Euh, attends une minute. J'espère que ce n'est pas ça à quoi je pense. Parce que moi, je ne mélange pas le travail et l'amour. Ah ouais, tu sais également que je ne mélange pas l'amour et le travail. Alors qui est-elle Qui est-elle, Desmond Allez, dis-moi. Ok. Euh... C'est la fille que j'ai rencontrée chez toi l'autre jour. Non. Tu veux dire Amanda Sérieusement, Amanda Quoi Desmond, je n'ai rien vu venir. Je n'ai pas vu venir non plus. Wow. Ok, 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 ok. Je vais lui parler pour toi. Du moment où tu es sérieux. D'accord Je suis sérieux. Ada, je te le promets, je... J'apprécie vraiment, ou plutôt j'apprécierais réellement.

Qu'est-ce qui nous lie en fait Qu'est-ce que Mon Dieu, peu importe l'esprit qui me lie à cet individu, je, 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 je détruis par le feu et le tonnerre. Je t'en prie, juste une minute, je ne dépasserai pas. Je t'en supplie. Une minute. C'est cette minute qui te tuera. Si tu es un homme d'une minute, ce n'est pas mon cas. Trente minutes je suis. Deux heures je suis là. Fort et plein d'énergie. Et toi tu es là, tu... tu, tu, tu la carte de crédit que, que j'ai empruntée que j'ai emprunté que j'ai emprunté hier. Je, je voulais a, a, appeler Philomène à ma petite amie. Je l'appelle depuis 30 minutes. J'ai appelé 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 mais ne décroche pas et, et tu veux que je te donne je parce sais. que tu veux parce que tu me dis. Je sais mais s'il te plaît, je t'en supplie. Juste une minute s'il te plaît. Hein Tout ce français que tu me parles là, dis-moi où l'as-tu appris Et tu penses que tu, tu, tu penses que ça va t'aider Hein OK, d'accord, je vais te dire, je vais te dire. Mais juste donne-moi ton téléphone et je te dirai, je promets. Je te donne mon téléphone. Oui. Je crois que tu te dis vraiment que, 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 que je suis. Que, que, s'il te, te, te plaît, non, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Il faut vraiment que je passe cet appel, s'il te plaît. À une condition. C'est à cause du soleil. À chaque fois qu'il y a le soleil, j'aime aider les gens. C'est juste à cause de ça. Et comme je te donne ce téléphone maintenant. Tu as 30 secondes. Une minute. Tu as 30 secondes font une minute. 30 secondes font une minute. Tu ne sais rien. Merci. Ah ah, hey, où vas-tu avec le téléphone? Ah ah, ce n'est pas un appel que tu veux faire. Où est-ce que tu vas? Je te donne mon téléphone pour un appel et toi je t'en vas avec. J'en étais sûr depuis le jour où tu as franchi cette porte et que je t'ai vu. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai su que tu avais l'esprit de vol en toi. Criminel, voleur. Tu, tu, tu vas. C'est une femme que tu t'en vas appeler. Tu prends mon téléphone pour appeler une femme, mon téléphone. Je ne comprends pas Oga, au gars, Oga, au gars, je ne comprends pas quel genre de ville veut miner. Il vit comme ça, comme ça. Il me voit, il me sous-estime. Il peut prendre quelqu'un de dehors, de nulle part. Et en plus de ça, il le laisse faire mon travail, mon travail. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école Qu'est-ce que j'ai appris la sécurité Exactement, je me retrouve ici. Agent de sécurité, j'ai toutes les qualifications du domaine. Une licence, le, le VIH. J'ai tous les diplômes dans le domaine de la sécurité, mais... Oh. Jason Hey, Jay. Hey, hey! Il a fallu du temps avant que nous n'arrivions à cet accord. La transaction se ferait immédiatement. Oh, ce serait parfait. Oh, ce serait bien, ce serait bien. L'argent n'est pas un problème, je mettrai tout en place. D'accord. Ok. Au revoir. Ah. Duncan? Duncan? Monsieur. Euh, ils ont finalement accepté notre offre. Contacte Patrick. Nous okay. devons préparer l'argent. Je le veux dans les archives. Mais monsieur. L'argent n'est pas très risqué pour le moment. J'ai dit, dans les archives, tu te souviens. Le DG et le comité exigent qu'ils veulent de l'argent. Alors, donnons-leur l'argent. Euh, ils ne peuvent pas nous duper sur ce coup. Ils ont besoin de cet accord autant que nous. Ok. Donc, je me dois d'aller tout mettre en place. Bien. Dis au chauffeur de préparer la voiture. D'accord, monsieur. bien. Au oh, moins, nous devons remercier Dieu qu'on l'a trouvé, avec la vitesse à laquelle les gens disparaissent dans ce pays. <laughs> Qu'aurais-je fait hmm? Mais <laughs> que vas-tu faire ici toute seule <laughs> Ne t'inquiète pas. Au moins, je t'ai vu. Tu viendras me rendre visite. Et d'ailleurs, je n'ai pas grand-chose à faire pour le moment. Mais tu devrais essayer de savoir où il est. J'ai essayé, mais tu sais comment sont les hommes. Il m'a demandé de ne pas me quitter. Quant à moi, c'est inacceptable. Que puis-je faire Que puis-je faire Mais comment ça Que peux-tu faire Je ne peux pas croire que tu dises cela. Ada, je ne peux pas croire que tu dises cela. Tu sais que je ne suggérerai jamais quelque chose de mauvais si ce n'est pas dans ton intérêt. Tu sais tout ce que j'ai traversé dans mon dernier mariage. Je ne suis pas prête pour aucun engagement maintenant. Amanda, je sais. C'est pour ça que je veux que tu me fasses confiance. Tout ira pour le mieux. Écoute. Regarde-moi. Desmond est un homme très bien. Je le connais depuis longtemps. Il prendra soin de toi. Je sais comment tu te sens. Ok J'ai très peur. Je comprends. J'ai très peur. Je comprends. Mais cette fois sera différente. Ok Ça ira. Tout ira bien. Thank okay. you. Euh, 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 Ogao. Oga, Oga, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, hein? Euh, Oga, ne ne vous fâchez pas, pardon, Oga, ne vous fâchez pas. C'est c'est que j'ai quelque chose à vous dire qui me tracasse l'esprit. Oui. Et tu penses que c'est le moment d'avoir euh... cette conversation? Euh, Oga, ça ne prendra pas le temps. Je serai bref. Je t'écoute. Alors sois bref. <laughs> euh... Oga, je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. Je suis très mécontent de comment vous sous-estimez mon boulot. Parce que les Ibo disent, que eke -e ça veut dire qu'ils se distribuent les tâches. Et c'est moi, le PDG, le secrétaire général de cette maison. Vous ramenez quelqu'un de l'extérieur, vous ne me le confiez pas pour que je fasse une inspection, pour que je l'observe, pour que je... je me rassure du genre de personne que c'est. Vous ramenez des gens dans cette maison. J'espère qu'il ne va pas causer de problème. Oga, écoutez. Depuis que je suis dans cette maison, vous ne l'avez jamais fait auparavant, je vous connais très bien. Vous êtes un monsieur très gentil, un monsieur très responsable. Vous ne ramenez pas les inconnus à la maison, que ce soit les animaux ou, ou encore ces filles de joie. Vous ne l'avez jamais fait. Alors comment se fait-il que vous ayez ramené ce type sans que je ne sonde Ça me fait très mal, au gars. Ça me fait mal. Comme dit l'homme pâle, je veux dire, l'homme blanc, travail minutieux. Je devais bien l'observer, prendre mon temps, l'étudier, le, 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 le scanner, le scruter à la loupe. Ce n'est pas du tout juste, au gars. Ce, ce n'est pas juste. Okay. C'est de ça que toi et moi, tu voulais qu'on qu on, qu on en parle. À cette heure-là À ce moment précis de la nuit Écoute, si tu ne veux plus de ce travail, dis-le-moi. Je te laisserai partir. Je n'ai pas de temps pour ces bêtises. Non, non, c'est. Oga, et c'est pour ça que vous voulez casser la porte. Ce n'est. Ce n'est. Oga! Oh, gars, je, 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 je n'ai pas. J'essayais juste de, euh, euh, de. De passer, passer une information. Je... Attends. Qu'est-ce que, qu que j'ai fait de mal Je n'ai rien fait de mal en demandant qu'il aurait dû me, me le confier pour que je l'étudie. Parce que quand je regarde ce gars, ce gars-là, il, il est très louche. Et quand j'essaye de prévenir au gars, il, il ne m'écoute pas. Ou, ou peut-être qu'il a une mauvaise journée et il est nerveux. Ça doit être ça. Ah, je vois, c'est ça. Oui, je vois, c'est ça. Mais, Oga, oh j'aurais au moins essayé. J'aurais fait de mon mieux pour passer l'information. Si quelque chose arrive, même Dieu m'en sera témoin. J'ai au moins fait de mon mieux. Je serai peut-être peut chef de la sécurité. Mais je ne peux pas mourir pour ça. Je ne peux pas mourir. Bienvenue monsieur. Oh merci, comment tu vas Bien monsieur. Oui, j'ai... J'ai acheté ça pour toi. Pour moi Oui. Merci monsieur. Je t'en prie, je t'ai acheté ça au cas où je peux t'avoir en cas d'urgence. Ok monsieur. Euh, alors, euh, as-tu fait le ménage et ranger là -haut. Oui, monsieur, tout à fait. Bien. Merci beaucoup. Ok. Ah. Merci. Euh, merci, monsieur. Je t'en prie. Oui. Wow, c'est vraiment très traumatisant ce qui t'est arrivé. Je suis désolée que tu dû vivre ça. T'inquiète. Je me suis juré de rester loin des hommes et me concentrer sur ma vie. Je, je comprends ce que tu ressens, euh, mais à un certain moment, tu vas devoir aimer et ouvrir ton cœur. Tu ne comprends pas. Je ne peux plus accepter une quelconque violence d'un homme. Je suis venue ici pour repartir à zéro. Laisse-moi être ton nouveau départ. Amanda, je te promets, je te garantis que personne ne touchera un seul de tes cheveux. Adam a dit que tu as été aussi marié. Que s'est-il passé? Euh. Bien. En fait, je peux dire que nous partageons certaines similarités. Nous étions Mais... tous les deux victimes d'abus. Comment? Comment? Ha. Je veux dire qu'au début, nous étions inséparables. Tellement inséparables. Mais juste après quatre mois de mariage, <coughs> elle a changé. Elle est complètement devenue une autre personne. J'étais verbalement et émotionnellement abusé. Waouh! En fait, c'était littéralement chaque jour. Euh, au début, j'ai cru que c'était une phase. J'ai vraiment cru que c'était quelque chose qu'elle traversait. Genre que ça va lui passer. <laughs> que ça ira mieux. Mais ça ne s'est pas amélioré. Au point où elle commençait à passer des nuits dehors. <laughs> wow. Oui, je. J'étais perdu. J'étais perdu parce que je ne savais pas. Je ne savais pas comment faire avec cette situation. Je n'avais vraiment aucune idée. Finalement, un jour, euh, elle est juste partie de la maison. Et a demandé le divorce. Je suis si désolée que tu aies traversé tout ça. Et où est-elle aujourd'hui euh, Après qu'elle ait quitté la maison et demandé le divorce, elle, elle est partie à Dubaï. Ça fait bientôt six années. Wow. Mm -hmm. Les hommes souffrent d'abus et nous en parlons rarement. Oui, c'est vrai. <laughs> c'est vrai. Tout ce que je veux de toi, c'est que tu ramènes le soleil dans ma vie. Et que tu me laisses te rendre heureuse. J'ai besoin d'un peu de temps pour y penser. Je dois vraiment être sûre de prendre la bonne décision. <laughs> Amanda, le temps dont tu parles là, je n'ai pas. Si tu me dis oui maintenant, on y va directement à la mairie au fils C'est Ouais, tu crois que je suis là pour perdre du temps <laughs> Au nouveau départ. Jason Jason Ah, ah, qui est-ce Jason, mon pote Qu'est-ce qu'il y a Quoi de neuf Je suis très loin. Tu, tu sèches le linge. Qu'y a-t-il Donc, donc, juste à cause de cette petite guérison, maintenant tu, 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 tu vas mieux, ça, ça te rend prétentieux. Hein Petite guérison. Petite guérison. Oga, qu'est-ce que tu veux Que veux-tu que je fasse pour toi Euh, en fait, je ne veux rien. Rien que tu puisses m'offrir. Je veux juste que... Tu me prêtes ton téléphone pour que je, je passe un appel, un petit appel. Mon téléphone Oui, mon pote, oui. Ce n'est pas possible. Jason. Jason, je t'en prie, donne-moi ton téléphone, prête-moi ton téléphone pour que je passe un appel. J'ai dit que je ne te donne pas. Tu vas aller gaspiller mon crédit Je n'ai pas de crédit, s'il te plaît. Jason, ce n'est pas la même maison dans laquelle Oga te fait du crédit tous les jours pour appeler. Et alors Juste une seconde, une petite minute, le temps pour moi d'appeler ma petite amie. J'ai la gorge nouée, s'il te plaît. Même si Oga m'envoie du crédit, c'est mon crédit et non le tien. Ne touche pas mon téléphone. ah. Hein Jason, euh, ok, tu vois la vie. Non, 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 tu vois la vie. Quand la vie te sourit, tu deviens gras. C'est à qui que tu fais ça Écoute, quand tu venais d'arriver dans cette maison, tu me suppliais par-ci, par-là. Je te donnais mon téléphone, tu passais tes appels. Si j'avais refusé, tu allais me traiter de méchant. Maintenant, pourquoi je passe un simple appel Tu sais aujourd'hui que cette fille. Je t'en prie, laisse-moi passer cet appel. Tu. Je, je, je te le donne pour une seule raison. Je ne sais pas quelle raison tu as. Je ne savais même pas qu'il fallait une raison. Peu importe, je veux juste sur le téléphone. Tiens. Merci. Ne gaspille pas mon crédit. Je ne vais même pas faire dix minutes. Désolé, une minute. Je ne vais pas, toi aussi. Je reviens, je me dépêche. Hey! hey. Oga, oh mais où vas-tu? Pourquoi tu fais ça? Reste là. Reste là passe ton appel, hein. Pourquoi tu fais ça? Reste là passe ton appel. Pourquoi tu. Tu parles comme si j'allais voler ton téléphone? Je veux passer un appel. Que, que se passe-t-il? Reste-les, passe ton appel, que ce soit ici ou là-bas, c'est pareil. Reste-les, passe ton appel, hein. Mais, 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 mais. C'est, 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 c'est un appel entre amoureux. Est-ce qu'on passe ce genre d'appel en public, public Un appel entre amoureux est différent d'un simple appel. Je connais Philomena, appelle-la ici, appelle-la ici. C'est une histoire d'amoureux, une affaire d'amour, c'est, c'est, c'est personnel. Laisse-moi plutôt aller appeler, je vais pas perdre le temps. Jason, mon pote, hein Reste là, tu fais ton appel, reste là. Euh, tu veux que je reprenne mon téléphone Jason Oh Donc, pourquoi je passe un appel Tu, tu réagis ainsi. Pourquoi je passe un appel Tu réagis ainsi. Je voulais passer un appel, juste un appel, parce que Philomène m'a fait comprendre que c'est demain qu'on se verra. Et je voulais l'appeler pour lui demander à quelle heure elle viendra demain. Et toi, tu, tu, tu me fais ça à moi. Jason, c'est désormais comme ça. C'est ce que tu me fais, Jason. Parce que je veux passer un appel pour quelque chose qui me dérange. Tu, tu sais dans quelles conditions je me trouve Est-ce que tu sais ce que je ressens Depuis, depuis combien de mois je n'ai pas été intime Avec une femme et maintenant qu'elle vient. Tu me refuses ton téléphone. Je sais, je sais comment je vais me venger de toi. Je vais cacher tes vêtements. Et en plus, c'est quel genre de vêtements, ça Je vais te montrer mon type. Je m'en vais avec ceci. On verra ça. Donne-moi le téléphone pour que j'appelle. Je ne veux pas m'aider. Desmond, tu parais si inquiet, c'est quoi le problème Quoi C'est quoi le problème hein <laughs> Chris, bien sûr que j'ai des raisons d'être inquiet. Je, je ne sais même pas par où commencer. Mais tu pourras au moins commencer par le début. Dis-moi ce qui ne va pas. J'ai rencontré une fille. Elle me plaît vraiment. Elle vit chez moi depuis un moment. Et je... Je ne l'ai pas encore touchée. Même Dieu lui-même sait que je veux bien. Je le veux vraiment. Mais je ne... Juste que... Je ne veux pas être embarrassé devant elle. Desmond, si tu veux vraiment passer outre cet obstacle de sexualité, tu dois commencer par sortir ça de ton esprit. De mon esprit. Es-tu sérieux T'es sérieux là Tu penses que je me réjouis de tout ça Non, bien sûr que non. Je lutte contre ça. Écoute, ne prends pas les choses de cette manière. Garde juste un esprit positif, ok Bien, je dois commencer ton dosage régulier de testostérone. Tu dois vraiment m'aider, Chris. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux vraiment pas. Je te suggère de parler avec elle. Je, je veux dire que vous pouvez gérer cette situation tous les deux comme un couple. ceci inclut ton régime et ta routine médicale? non? non. ce n'est pas envisageable. tu te rappelles que la dernière fois j'ai été honnête avec jane. elle s'est rassurée que ce soit un objet de moquerie jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous divorcions. <laughs> euh. C'est vraiment sérieux. Mais si tu insistes, j'aimerais bien faire quelques examens pour vérifier l'évolution et te donner des instructions sur les dispositifs à prendre. Chris, j'espère vraiment que ça va fonctionner, j'espère vraiment. L'espoir, Desmond. Je prie que ça fonctionne. Soyons juste confiants au moment. Je dois vraiment y aller. J'ai du boulot. Ah, ok. Merci pour le temps, comme d'habitude. D'accord, Desmond. Mm -hmm. Prends soin de toi. Fais autant. Porte-toi bien. Desmond. Mm, ok. Grande dame, je pensais que tu m'avais abandonné. <laughs> comment pourrais-je Comment tu vas Je vais bien. Je suis en chemin pour le bureau. Et toi, comment tu vas Ada, je suis inquiète. Pourquoi? Je pense que je ne la dis pas sexuellement. Bon. Pourquoi dis-tu une telle chose? Nous vivons ensemble depuis deux semaines déjà. Il ne m'a pas encore touché. Il ne s'est pas rapproché de moi, rien du tout. Hmm. Bien. Mais cela ne veut pas dire que tu ne l'attires pas. Et euh, je pense peut-être qu'il est timide. Ou... ou alors, tu sais, il veut montrer qu'il te respecte. Mais tu sais, tu peux l'initier. Je ne peux pas paraître désespéré ou troublé, émotionnellement. Que veux-tu dire, pas désespéré Et Désespéré, pourquoi Allez, ma belle. C'est ton mec. Oui, il l'est. Tout ce que tu dois faire, tu sais, c'est prendre les devants, l'initier, un peu d'audace. Allez. Tu sais, de nos jours, les choses ont vraiment évolué, tu sais. Tu ne peux pas juste rester dans ton coin. C'est. Oh, mec, tu dois avoir de l'audace, tu sais, et oser initier les choses, ma belle. Vas-y. Ok, je vais essayer. D'accord, tu feras mieux d'essayer, ok? Merci d'être toujours là pour moi. Toujours. Tu sais que tu es mon ami. Je t'aime. Bye. Um, du moment que les deux parties sont d'accord et qu'un contrat peut être signé, alors on peut continuer le projet et les. Les partenaires en chasse ont fourni tout ce dont on a besoin. Ok, ça c'est bien. Nous planifions de commencer plus tôt que prévu. Alors, on fera toutes les finitions avant que le carrelage ne soit complet. Ok, euh, c'est juste fantastique. Deux semaines. Deux semaines de délai, c'est. C'est super. Je pourrais. Je pourrais. Donc, avoir le travail d'ici vendredi Ok. Vendredi, c'est parfait. Ok. C'est génial. C'est ouais. parfait. Ouais. Merci. De rien. Merci. Bonne journée. J'attends votre appel. Sans problème. Sans problème. Très bien. Passez une bonne journée. Toi aussi. <coughs> Merci. D'accord. Excusez-moi, monsieur. Oui. Le président est en bas. Attends, Chief est là? Oui, monsieur. Ah. Il vient okay. juste d'arriver. D'accord, merci beaucoup. Ok, monsieur. Mmh. D'accord. Bonjour, monsieur. Ah. Bonjour. Je ne m'attendais pas à vous voir, monsieur. Bien, j'ai décidé de m'arrêter à ton bureau aujourd'hui. Ah, ok. Et je constate que tu gères à la perfection. Nous faisons de notre mieux, monsieur. Ça, c'est bien. Bravo. Tu peux t'asseoir. Oui, merci, monsieur. Ok. Bien, nous travaillons sur un gros projet avec le gouvernement. Dès lors que le travail de fond sera complet, le dossier te sera envoyé pour qu'un protocole nécessaire soit effectué par rapport à son exécution. D'accord, monsieur. Alors, où en sommes-nous après notre dernière conversation sur ta prise de pouvoir euh, Bien, je travaille actuellement dessus. Ma fiancée et moi... Euh... Finalisons tout pour notre union. Bien, bien. C'est une bonne nouvelle. Merci, monsieur. Le temps approche à grands pas. Bien sûr. Hum, bien sûr, monsieur. Oui. Aussitôt que cela sera fait, je m'envolerai pour le Royaume-Uni. Pour y passer quelques temps. <laughs> Vous le méritez, monsieur. Oui. Bien, je ne vais pas prendre plus de ton temps. Je vais m'en aller. Merci, monsieur. Merci. 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 Vraiment, merci de beaucoup, quoi. monsieur. Au revoir, monsieur. Dépêche-toi d'entrer dans la voiture. Maman? Oui, Sophia. Pourquoi tous ces gens vont de bord de la route? Oh mon amour, nous sommes au Nigeria et c'est ce qu'ils font pour survivre, ok? Pourquoi sommes-nous au Nigeria? Ah. Sophia, je t'ai dit de ne plus me poser de telles questions. Nous sommes dans ton pays et tu as besoin de connaître ton pays, ok? Mais je n'ai pas d'amis ici, mes amis sont à Dubaï. Ah. Mon ange, ne t'inquiète pas, avec du temps tu te feras des amis, ok? Pouvons-nous partir à présent Tu vas bien Super, chauffeur. S'il vous plaît, conduisez-nous à l'adresse que je vous ai envoyée. D'ailleurs, je ne vois personne. Je ne te vois pas. Où es-tu Je ne te vois pas. Amanda ah! Amanda ah! Amanda Jean Oui Jean oui? oui Oh mon Dieu <laughs> Je n'y crois pas. Où t'étais Amanda passé? Amanda, ça fait vraiment longtemps, ça fait longtemps. Tu, tu as quitté l'école et tu as disparu. Personne <laughs> ne t'a plus revu. Ah, tu sais, n'est-ce pas? Le temps passe et les choses changent, franchement. Où étais-tu? <laughs> Dubaï, je vis à présent à Dubaï avec ma fille qui est là, Sofia. Incroyable. Sophia, salut, Tata. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Regarde-la. Elle est si bien. <laughs> merci. Je viens tout juste d'arriver au Nigeria. Sérieux? Je suis ravie de te revoir. Je suis ravie de, de te tour. revoir. Quoi de neuf? Comment tu vas, Amanda? Comment va-qui? En fait, j'ai appris que vous êtes mariés. Comment euh, va-t-il? Nous sommes séparés. Séparés? Oui. La vraie, que, que c'est Non, du non, non c'est du passé. Je me remarie dans quelques semaines. Waouh, tu es sérieuse. Oh, C'est une bonne nouvelle. Ok, que dirais-tu si on allait déjeuner pour se rattraper Oui, un déjeuner, ce serait bien. Tu sais, se rappeler du... <laughs> oui, oui, oui. Se rappeler le bon vieux temps. Incroyable, ça alors. Bien sûr. Ok, je te donne mon numéro. Ok, ok. okay. C'est génial. Comment tu m'as reconnu? Comment tu as su que c'était moi Quand je vois Amanda, je sais. Incroyable. <laughs> tu n'as okay. pas du tout changé. 7-7-0. Avec ton beau visage. Ouais, 9-2. 1. Ok. Oui, 8-8. Bien. C'est vrai. Est bon. euh, oh, est-ce que tu voudrais. Non, non, de... non, mon chauffeur ne va pas tarder. Vraiment? Je le croyais d'ailleurs. En fait, Ravie de te aussi voir. Je suis contente. Ça me fait plaisir. Au revoir. revoir. Sophia, Tu au revoir à ta Bye. Bye. C'était cool de vous voir, euh, les vite. filles. Ok, au revoir. Okay. Je t'appelle, ok? Oh, gars, où es-tu? Tu, tu m'as dit que tu étais déjà dans le quartier, mais je ne te vois pas. Hey, au revoir. Tu m'as dit que tu étais déjà dans le quartier, mais je ne te vois pas. Je patiente depuis plus de dix minutes. Hmm. Oui, alors, peux-tu venir dans mon bureau tout de suite D'accord, merci. Les résultats sont identiques comme les précédents. Eh bien, soyons juste conscients maintenant. Oui, monsieur. Oh, ok, tu es déjà là. Ok, prépare-moi ceci. D'accord, monsieur. D'accord. Ok. Euh, tu peux retourner dans ton bureau. D'accord, monsieur, merci. On s'est battu la nuit dernière. Pardon Une bagarre Desmond, je te l'ai dit, quand on a affaire à un cas pareil, on se doit d'être ouvert avec son partenaire. Je le serai, je le serai, mais je ne suis pas. Je ne suis pas prêt à être dans un quelconque embarras. Ok, bien. Nous devons juste prier et. Espérez que ça marche cette fois. Je prie que ça marche aussi. ああ、uh。Uh. Mais attends, Jason est passé là. Euh, madame, madame, euh, Jason vient de s'enfuir. On aurait dit qu'une que, qu mascarade et, et la police le poursuivaient dans un rêve. Tout de suite, il vient de passer. Oh. On l'a perdu de vue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi il fuit. Seul Dieu sait pourquoi ce, 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 ce paysan local a bien pu faire pour fuir de la sorte. Tu as vu comment il courait. Mon cœur s'est arrêté. On aurait dit un voleur et moi qui voulais chier, je n'ai plus envie. C'est bien fait pour Oga. C'est bien fait pour Oga. Pour, pour C'est bien fait pour eux. Si seulement il m'avait amené ce type pour que je le contrôle avant qu'il puisse travailler ici, je l'ai dit à Oga, mais il a dit que ma bouche sent. Si même l'homme blanc qui a créé le français a dit que celui dont la bouche sent dit la vérité, la bouche de qui sent maintenant Je vous ai prévenu, mais vous, où ces Jason était dans la chambre de madame, oh, cet idiot <laughs> Tu ne verras pas du bien, je te jure. Ça ne va pas s'arranger pour toi. Tous ces gars clairs, ils voulaient, ils voulaient tirer un coup. C'est mon boss que tu as vu. Petit voleur, tu n'as encore rien vu. Comment l'as-tu su De l'un de mes contacts. Eh bien, je crois avoir été clair en lui disant de ne plus jamais mettre ses pieds dans ce pays. Hein Cette folle. Les rumeurs disent qu'elle est venue avec une petite fille. D'après la description, elle a environ 6 ou 7 ans. Je suis certain de ce que tu dis Plus que sûr, monsieur. Ah. Desmond est-il au courant de ça Je ne suis pas sûr qu'il le sache. D'accord, euh, je vais m'occuper de ça plus tard. L'agent est-il prêt Nous sommes prêts à partir, monsieur. Bien, bien. Um, je veux que la sécurité soit bien renforcée jusqu'à ce que la livraison soit faite. Je ne veux aucune surprise. J'ai des yeux partout, monsieur, y compris dans cette maison. Bien. Où est-ce qu'il est où ouais, est cet abruti? J'espère qu'il n'a rien non. volé. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il fouillait dans tes documents, je ne sais quoi. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Et toi, où vas-tu? Comment ça? Où je vais? Où vas-tu habillé comme ça? J'ai un déjeuner avec une vieille amie. Ah, une ancienne amie. Une vieille amie, juste comme ça. Euh, à ce que je sache, Ada est toujours au bureau. Desmond. J'ai un déjeuner avec une amie. Et moi, je te demande, où vas-tu à cette heure de la journée habillée comme ça J'ai un rendez-vous. Un déjeuner avec une amie. De quel ami s'agit-il Desmond. Ah. Écoute, je, je suis désolé. Ok. Amanda. Amanda, je suis désolé. Ah. Allez, avance, s'il vous plaît, ne me faites pas Avance, avance. s'il vous plaît. S'il vous plaît, je me sens surpris. Qu'est-ce qui se passe, ici Je l'ai supprimé en train de rôder autour. Il doit être un espion. Je t'ai dit d'être très vigilant. Je n'ai pas confiance à ces gens. Monsieur, je ne suis pas. Je ne suis pas un espion, s'il vous plaît. La ferme. Je vais sortir d'ici. Tu sais quoi faire? Ada, s'il te plaît, ne me dis pas ça. J'en ai fini. Je ne repartirai pas là-bas. Amanda. Amanda. Je sais ce que tu ressens. Tu ne sais pas. Je veux dire, pourquoi mentirait-il? Essaye de te calmer. Pourquoi me mentirait-il? Demande-le-lui. Et si cet ami te racontait des histoires, pour que tu le quittes Elle m'a raconté son expérience avec lui. Et c'est exactement ce que j'expérimente avec lui. Pourquoi me mentirait-il Pourquoi épouser une femme si tu ne comptes pas la toucher Je veux dire, s'il y a un problème, il doit me le faire savoir. Pourquoi me mentir Le fait que je l'entende d'une autre personne, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Oh, Amanda. Je sais exactement comment tu te... Hmm. Ça va aller. Je sais que j'étais entraînée dans ça, mais je le fais pour ton intérêt. Je ne veux pas te blesser. Écoute. L'infertilité et la baisse du libido, ce n'est pas quelque chose de simple que l'on peut discuter aussi facilement. Non. Les choses vont s'arranger. Suis désolée. Ok. Amanda, tu sais, beaucoup d'hommes passent par tellement de choses, parce qu'ils n'ont personne à qui s'ouvrir, de peur d'être jugés. Dis-moi, s'il t'avait dit, aurais-tu accepté de l'épouser Aurais-tu tu vois, ton ami a profité de sa condition pour abuser de lui. Amanda, montrer sa vulnérabilité en face des autres nécessite une bonne dose de confiance. Est-ce que tu es prête, hein? T'es es prête Amanda, ça ira, ok? Et si tu l'aimes vraiment, alors tu dois partager sa peine. Sa condition peut être gérée. Tout ce qu'il a besoin de toi, c'est ton amour et ta confiance. Ça va aller. Je suis désolée, ça ira. Tout ira bien. <laughs> etova sargé C'est-il confessé Il se joue encore les durs. Je le jure, je ne suis pas un espion. C'était juste... Je vais briser tous les os de ton corps jusqu'à ce que tu parles. S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie. S'il vous, 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 vous plaît, monsieur. Pousse tes mains là. dépêche toi Je vous en s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi cette marque sur ton corps Comment l'as-tu eue <laughs> Je, Je l'ai depuis mon enfance. <laughs> J'ai exactement la même marque sur mon corps. Au même endroit. Vraiment Oui. Ma défunte fille. Et euh, mon fils avait la même marque. Quoi? Qui est ta mère? <laughs> Elle s'appelle. Elle s'appelle Monica. Non, monsieur. Doucement, doucement, asseyez-vous. Désolé. Amanda, je suis désolée, je suis vraiment désolé. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. C'est bon, c'est bon, viens, lève-toi, lève-toi. Bon. Je suis désolé, Amanda, je suis désolé, pardonne-moi. C'est bon, écoute, je suis au courant de tout. Tu aurais dû me faire assez confiance et me dire... J'avais peur de te perdre. Mais je suis là. Hé, hey, qui est cette personne qui veut me casser le portail Vous n'avez pas joué dans votre enfance Vous me frappez le portail, ça a l'air d'un tam-tam pour vous. Qui est là C'est moi, c'est moi. Ah, euh, madame. Bonjour. Oui, madame, bonjour. Merci. Euh, merci. C'est quoi vous, vous voulez quoi Je cherche mon fils. Vous cherchez qui Mon fils, mon fils. Non, ce n'est pas, ce n'est pas une garderie. Si on ne garde pas d'enfants ici. Oh, je je ne comprends pas rien de tout non, ça. Non, il m'a donné cette adresse au cas où je n'avais plus de ses nouvelles. Cette cette même adresse. Oui. Il vous a envoyé une photo de la maison. S'il vous plaît. Madame, ce n'est pas sûr que c'est ici. Ce n'est pas... Ok, bon. Quel est son nom Jason. Jason. Mon fils. Jason. Oui. Madame, entrez. Bonne arrivée. Je le savais. Mon fils ne peut pas me tromper. Oh voleur, voleur, voleur. Voleur, madame, oh gars, sortez. Oh voleur, oh voleur. J'ai attrapé une voleuse. Oh voilà! Je ne suis pas une voleuse. Vous, vous n'êtes pas et une je suis voleuse. Je la recherche Et de vous office. faites quoi là? Vous croyez que je ne sais pas que c'est Jason qui vous envoie? Il vous a envoyé ici. Observez et contrôlez si euh, la police et l'armée ne sont pas ici, n'est-ce pas? Écoutez, je suis l'agent de sécurité. Je suis là. Je vous ai attrapé aujourd'hui. Pourquoi tu crées? Pourquoi tu crées? <laughs> oh gars, c'est cette. Euh... Tu crées encore? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est cette euh, femme ou où... ce petit voleur qu'on appelait Jason qui vivait avec nous. Euh, cette femme dit être sa mère, la mère de ce voleur. Donc je l'ai attrapé. On vous a attrapé. Ah, je madame, cherche mon madame, fils. Madame, quel non. est le problème? Comment pouvons-nous vous aider? Fils, mon fils, Jason, il vit ici. C'est lui que je cherche. Je ne suis pas du tout une voleuse. Oh, pardon. Je ne suis pas une voleuse. Allô, monsieur. Oui, monsieur, oui. Je vais bien, merci. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, monsieur. Je vous reviens bientôt. S'il vous plaît, avez-vous vu mon fils Mon fils, il vivait ici. C'est la dernière adresse qu'il m'a donnée. Avez-vous vu... Euh... Monique. Tiff. Maman. pourquoi pleures-tu Hein As Tu es un bébé. Tu n'es pas pour la mort, tu sais. Elle. Écoute, tu te, te fermes, de la beauté et sortir d'ici avant que tu pas trop de Dépêche-toi de porter tes Calme-toi. Tu <laughs> as ruiné ma vie. <laughs> Je m'étais juré qu'on ne se croisera plus jamais. <laughs> que ce garçon ne te verra jamais. Tu es un monstre. Je te plairait de pleurer. Tu veux dire que tu es tombé enceinte après ça Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je fais mon écrit, prix. Trouve une place au fond de ton cœur pour nous Ça va aller, ok Ha Jill. Bonjour, Desmond. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis venue voir le père de ma fille. Euh, 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 de quoi parles-tu? Oh tu... Tu ne lui as pas dit. Ah, coucou, Amanda. Ravie de te voir à nouveau. Dites-moi, de, de quoi est-ce qu'elle parle um... de toutes les mauvaises choses que j'ai à faire dans ma vie. Celle-ci m'a le plus touché. J'essaie de corriger mes erreurs. Mais je crois que j'ai commis tellement d'atrocités au point où... Euh, elle n'arrête pas de... de me hanter. Oh, voyons, -y. Je pense que vous devez donner une explication plus détaillée. <laughs> Oui, nous avons passé du bon temps dans le passé. Hein, ah, pourquoi vous ne lui dites pas Dites-lui comment nous avions l'habitude de sortir de ce pays tous les deux, les sorties nocturnes, les boîtes de nuit, et comment vous m'avez payé pour que je divorce pour me faire aménager à l'étranger. Attends, 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 voyons, arrête, nous sommes quand même en présence d'un enfant. Elle est ma fille et non la tienne. En fait, je suis ici car ma fille est préoccupée parce qu'elle veut voir son père. Alors je l'ai amenée ici pour qu'elle te rencontre toi, son père. Attends, attends, excuse-moi, tu veux dire que... Bon, pendant tout ce temps, vous deux entreteniez une relation hum. J'ai commis trop d'erreurs dans ma vie. Et celle-ci est l'une d'elles. <laughs> Duncan, <camp. rire> nous allons faire un test à pour <laughs> être sûr que cet enfant est le mien. <laughs> Et si ça s'avère positif, je serai En attendant, sors cette femme de ma maison. Ne, ne me touche pas, non Il y a tellement de choses que j'aimerais réécrire dans le cours de ma vie. Il y a tellement de choses que j'aimerais ne pas avoir fait. J'espère que tous les deux ici et tous ceux à qui j'ai fait du mal durant toute ma vie allaient trouver une place dans vos cœurs pour me pardonner. Desmond, tu deviendras le prochain directeur de cette entreprise, quoi qu'il en soit. J'aimerais que tu formes mon fils jusqu'à ce qu'il soit prêt à pouvoir te rejoindre. Ok, Desmond. J'aimerais te présenter des excuses pour tout ce que j'ai fait quand je vivais chez toi. Juste que ma mère ne voulait pas me dire qui était mon père. Donc, j'ai décidé de mener mes propres enquêtes. Alors, je suis tombé sur toi et j'ai réalisé que. C'était possible d'accéder à lui par toi. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Mes sincères excuses. Jason, tu es un homme courageux. Très très, c'est l'une des choses que j'apprécie sur toi. Euh... C'est bon. Je te pardonne et j'oublie le passé. Euh... Chief, merci beaucoup de... D'avoir placé votre confiance et bien sûr votre compagnie. Entre mes mains et à mes soins, je vous promets que Jason aura le meilleur encadrement, leadership jusqu'à ce qu'il euh, soit capable de de nous rejoindre ici dans la compagnie ou après il prendra la relève. <laughs> <laughs> Qu'est-ce que je peux bien dire je, je te remercie pour ta compréhension. D'accord, monsieur. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. <laughs> Merci, monsieur. Ah. Desmond, tu as l'air heureux. Ça fait plaisir de te wow. voir. <laughs> et la ravissante à mon date. Merci. Um, um, ok, après notre dernier rendez-vous, je vous ai demandé de garder la foi et d'avoir espoir. Avec un traitement continu, elle pourra concevoir. Quand Con concevoir Oui. Chris, j'espère que c'est pas une blague. Voyons, te plaît. elle est enceinte de deux semaines. Quoi? Quoi? J'ai dit qu'elle est à deux semaines de grossesse. Oh mon Dieu! Ah Chris! Ah! Sinon, à quoi servent les amis? Bébé, enfin. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme. Dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tuy, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email, dobby@aforivo.com, sur Instagram. À Forevo Dobbing sur notre site web www.aforevoDobing.com dobbingcom ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Wipe your tears off your eyes and the words from your mind. When the timing is right, brother, you will testify. Wipe your tears off your eyes and the words from your mind. When the timing is right, I say you will testify. that will in your